Non mais voilà. Non, je t'ai dit. Moi, il y a une règle de jeu vidéo, c'est que tant que tu vois pas de cadavre, pas de mort. La règle aussi. Ça me régale pas trop mal. Je viens de dire. J'ai pas suivi ce que t'as dit. Dans un jeu, tu vas pas montrer le corps alors que il reste même pas un bout Si! de tête. Il reste même pas un Dans bout de l'Office tête. Ranger 1, Charlotte, on l'a bien trouvé son corps! On l'a pas vu. Charlotte, Elle. Rachel. Pourquoi Mais on n'a pas Charlotte, vu son Charlotte, ma corps. soeur? On a même pas vu son corps. Oui, bah c'est ça! Bah, elle est morte. Je dis, pas de corps, mort. Corps, femme. Duki, il est pas officiel. Il y a un truc. Il y a un truc avec Duki. Mais C'est le il est. méchant! Mais non, il est juste dépressif, regarde. C'est pas pareil sans toi, Tabitha. Ça ne l'a jamais été Non. et ça ne le sera plus jamais. Juste dépressif. Tabitha, on dirait que Duki a ses fantômes lui aussi. Dites, Duki. Qui est Tabitha? Dépressif, alors moi Vous ça. voulez m'en parler? Ma fille. Tu sais, Alex, sur ce sujet précisément, je n'ai pas grand-chose à dire. D'accord. Je suis sûre que je peux en faire plus pour aider Ducky. La blague, il était nul. Bon, dis-moi ce dont j'ai besoin d'aider. C'est moi qui l'ai sculpté, vous savez. Reginald McAllister III. Ducky pour mes amis. Tabitha Baker. Appelez-moi Tabs. Baker! Non, c'était lui. C'est sa femme. Elle est morte, c'est tout. Ah, mineuse. C'est pas mineuse. Attends, attends, ne bois pas! Regarde au fond du verre. Quoi? Qu'est-ce que tu. Oh, de qui? Une bague. Elle est superbe. Tabitha Baker. Veux-tu m'épouser? C'était sa femme. Il est mort, c'est tout, il arrive. Arrête, t'as pris, je suis allée, monsieur. Joyeux anniversaire de mariage, mon amour. Buvons à 30 années de plus. Ah oui! 30 années! Et 30 festivals de plus, si on tient le coup. De qui? Tu seras encore là quand la ville n'existera plus. Je connais cette chanson. Pauvre de qui? Je peux peut-être faire quelque chose pour lui. Joyeux anniversaire de mariage, mon amour. Mon amour. Buvons à 30 années de plus. Et 30 festivals de plus, si on tient le coup. Oh là là. De qui? Tu seras encore là quand la ville n'existera plus. Oh, j'ai rien dit, c'est bon. Ah, oh, c'était loin. Cours, cours, cours. Oh putain. Ah, t'as vu. Ah ouais. Maintenant. Hop. De qui? De qui? En avant, c'est une soirée difficile pour vous, n'est-ce pas? Du printemps, c'est là que Tabitha est mort. C'est vrai. C'est vous qui avez sculpté cette ours en bois? Branagh? Pour sûr. C'était il y a bien longtemps. Vous avez rencontré Tabitha ici, n'est-ce pas? Au Lanthem. Lanthem. C'est ça.
Je n'ai jamais eu autant de chance que le soir où je suis venu ici. On n'a toujours pas lu les émotions de Jade à ce point-là. Le festival. Moi, je pense que le méchant final, c'est quelqu'un qu'on n'a pas lu ses émotions. Sûr. On s'est marié pendant le festival. À ce point-là, pour contrôler son truc, non. Non, mais... Comme quoi... Oui. Un truc banal. Pas un truc à ce point-là. On a fait Charlotte, on a fait... Et on n'a pas fait Steph. On va venir, je pense, Steph. Si, on a fait Steph. Si. Voilà, on n'a pas fait... Si, Jérémy. On a même fait le baby-foot. Le fils de pute. Ouais. Ryan on a fait, Ethan on a fait, Charlotte on a fait, de qui on a fait, Léonard on a fait, Riley, Mac on a fait, Ryan on a fait ou pas Ryan. Comment est-ce que. Bon, Riley on va sûrement c'est le faire. C'est votre chanson. On danse. Jed on l'a pas encore fait. Il va passer une dinguerie, il y a un rapport avec la mine et Jed. Si, Jed c'est méchant. Mais Jed. C'est à cause de lui qu'il voulait péter la deuxième mine. Et qu'est-ce qu'on en a foutu par rapport à mort de Gabe, j'en sais rien, mais... Et il voulait absolument qu'on pète la deuxième mine. T'as réinvité ou pas ? Non, j'ai pas fait. Tant qu'il dort. Mais quoi, nous, c'est bon ? Ça y est, c'est cool. Ouais, grave. Il y a 20 ans alors. Tu sais ce qui me rappelle le plus, ma femme. Ce n'est ni chanson. Ni le festival. C'est le fait que tu aies pris le temps de t'occuper d'un vieillard triste. Tout simplement pour rendre le monde un peu moins pénible. C'était tout taps. Merci, Alex. Je pense que je suis un peu mieux disposé à me joindre aux autres. Tout le plaisir est pour moi. Amusez-vous bien. C'était pas le soir ? T'as dit que t'avais une nouvelle à m'annoncer ? Bon. Je m'en vais. Décidé, je quitte Heaven Springs. Tu le crois ça ? Je reprends enfin la route. Oh putain, enfin ! Non, sérieusement ? Je vais recommencer à jouer, Alex. Je vais aller partout où je veux. Oh putain, j'avais oublié quel bien ça avait. On donne partout. Oh putain, Steph, c'est trop cool. Je suis tellement contente de toi. Elle va demander à Alex de partir avec. T'as intérêt à donner tes nouvelles ? Tu crois te débarrasser de moi aussi facilement ? Arrête, Chen. Il me faut une nouvelle destination. Et t'es mon porte-bonheur. T'as vraiment des goûts de chiottes en matière de porte-bonheur. Ferme-la. Choisis.
Berlin. Salem, c'est pas le sorcier là. Si. Ah bah oui, on peut. Là, pour la blague, Salem. Ouais. Salem, la capitale mondiale d'Halloween. Enfin, c'est ce qu'on dit. Avec qui je traîne? Tu rejoins un sabbat. Un sabbat de lesbienne. Il en existe d'autres. Vous traînez dans des cimetières et faites des rituels pour communiquer avec les morts. Ça marche jamais, mais... c'est pas grave. Parce que j'ai ramené plein de frottages de vieilles pierres tombales pour décorer mon appart. C'est un plan plutôt spectaculaire. Parfait. Alors viens avec moi. À Salem ? Oui, pourquoi pas. Ce sera pas forcément notre premier arrêt, mais on ira. J'ai encore des amis à Seattle qui engagent des musiciens. On pourrait commencer par là. Ou je sais pas, Kansas City ? Vegas ? On pourrait aller où on veut. Écoute. Je veux pas te mettre la pression. Mais je t'ai vu tout donner pour que d'autres aient ce dont ils avaient besoin. Et j'ai fini par me demander si t'avais pensé à ce que toi, t'avais besoin. Je veux dire, très clairement, je t'aime beaucoup. Moi, putain. Bon, c'est tout. Embrasse-moi. Pour moi, c'est facile si t'as le feu vert. Pour dire, ah. Bon, moi, j'ai le feu vert. Ouais, en mode, wesh, non. Deux auras. Et puis c'est ensemble. Oh. Je veux pas exagérer. Pas obligé de décider maintenant. Ok. Enfin, réfléchis-y. D'accord. Merci. Donc, si on aura donné la rose avec Ariane, c'est là pour qu'on aura le faveur pour sortir avec. Je vais retourner en bas. À plus tard. Dis, Gabe, je peux te dire un truc? Je crois que j'ai compris pourquoi t'es mort. Qui est responsable? C'est dingue, non? J'ai plus aucun fil à dénouer. Et c'est terrifiant. Parce qu'après tout ça, après Typhon, après toi, il me reste qu'une vie normale. Je comptais sur toi pour m'apprendre comment faire. Mais je crois que je vais m'en sortir. J'aurais tellement aimé que tu sois là pour le voir. Bon, il me manque des trucs impactants. Oh, l'histoire est belle. Au fait,
Il manque un truc, what the fuck. C'est le what the fuck en mode... Voilà. Oh la merde, parce que la robe est à son amine. Voilà quoi. Merde. Du mal à faire un truc comme ça, pas tant que la fille son... Ah. Il sera jeu 1, utilité impactant là. Ami, crie pas trop d'eau. C'est quatrième épisode. Le seul truc impactant qu'il y a eu, c'est la mort du frère. Pas le quatrième, non, quatrième épisode. Oui, c'est pas le troisième. Non, ah merde, pour ça, je te dis, à un moment donné, il faut que ça bouge. Alex, oh, je l'avais oublié, lui. USB. Oui. Tout y est. L'appel de Gabe, leur plan secret, la simulation. Il va falloir m'accompagner au poste. Pour vol de ses personnels. Rigole pas là. Prends pas les choses difficiles. Il est corrompu, ce bâtard. Je l'ai dit aussi. Ouais. On va lui donner, ça pue. Et comme par hasard, elle a pas fait une copie de la USB, évidemment. Sauf si Ryanair, c'est la plus puissante du monde. Oh. Pour vol. Elle va être arrêtée pour vol. Oh. J'imagine que c'est pas... On promet la blague de la première station. On promet la blague de la première station pour arriver à là, tiens. Café. Non. Ah ouais. Je peux avoir une bière? J'aurais essayé. Pike, qu'est-ce que je fous ici? Pour faire court, Diane t'accuse d'avoir volé sa clé USB. Pardon? Mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as volé cette clé USB? T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? Je peux pas. Désolé. Ça. Mais pourquoi? D'une, il me faudrait un mandat. Et de deux, l'affaire est close. L'ordre est arrivé aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, il n'y avait pas de preuves. Je suis désolé, Alex. L'ordre est arrivé aujourd'hui? Qui l'a donné? Ça venait d'en haut. Le patron du patron de mon patron. Ça dépasse mes fonctions. Écoute, ce qui est arrivé à mon frère n'était pas un accident. C'était un crime. Les fichiers qui sont sur cette clé en sont la preuve. Oui, c'est peut-être vrai. Mettons que ça le soit. Le problème, c'est que... t'as volé quelque chose qui appartient à Typhon. Je peux rien faire avec ça. D'accord, je comprends ce que tu me dis. Je suis désolé d'avoir volé la clé, mais... présenter tes excuses ne va pas suffire. Alex, je crois que t'as pas les idées claires. Elles m'ont l'air assez claires, pourtant. Diane compte te poursuivre pour fraude informatique. C'est un crime fédéral, Alex. 5 à 10 ans, en fait. Quoi ? T'es en train de me dire que je pourrais faire de la prison pour ça ? Pour... 5 à 10 ans, vraiment ? Non. C'est pas si grave. Quoi ? Je lui ai parlé. Pardon ? Et même si elle est en colère contre toi après ce que t'as fait,
Elle va abandonner les poursuites. Si tu acceptes de tout laisser tomber, Typhon ne portera pas plainte. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Elle veut tout simplement classer l'affaire. Et c'est le seul moyen. Laisse tomber. Je signerai rien. Alex ! Non ! Typhon a dissimulé quelque chose dans la montagne. Quelque chose de tellement énorme qu'ils ont ignoré l'appel de Gabe et déclenché l'explosion rien que pour se couvrir. T'as pas envie de savoir ce que c'est ? Comment ça, pour se couvrir ? Il y a eu une autre explosion, secrète, qui a eu lieu exactement au même moment à l'ancienne mine. Et ça s'est passé comme par hasard quelques semaines à peine avant le début des inspections. Réveille-toi, Pike. Tout est là. Comme je te l'ai dit, ça change rien. Alex, sois raisonnable. Signe ce document, comme ça on pourra retourner au festival. Non. Alex, ça n'est pas une offre que tu peux refuser. J'ai dit non. Tu n'as pas le choix. Il a peur d'un truc. Il a peur de la grippe. Non, mais il y a une couille. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Vois par toi-même. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce... Et si j'ai... Ah oui. Il y a pas ça. Faites des rushers. 5 mai, j'ai rencontré la client. La clope. Oh la mère, non, mais il y a des parties. Affiliation. Aide à exonérer. Pas de contrôle. Appliqué extrême. Et un expert. Une excellente connaissance. Ah, il fait... proche Gabriel Chen est mort lors d'un accident lié à des tasses. Elle accélérera dans sa dangereuse. Ah d'accord. Donc là c'est Ryan. Ouais. Là c'est Steph. C'est une menace. Tu t'attendais à quoi ? Hein ? Parce que Typhon, une multinationale qui encaisse des milliards chaque année protégés par une armée d'avocats et va savoir combien de politiciens grassement payés jettent l'éponge et te disent « C'est bon, tu nous as eu !» Mais... Je
pensais pouvoir obtenir justice pour Gabe. Ouais, ben... Typhon a sa propre conception de justice. Merde. Là, ça devient chaud, ça devient bien. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de voir ces connards payer. Mais j'ai appris à mes dépens que c'était pas possible. Ils sont trop importants. Ils ont trop de relations et aucun scrupule. Déteste-moi, si tu veux. Traite-moi de lâche. Mais j'ai pas envie de te perdre comme Gabe. Pike a une peur bleue de Typhon. Je parie que si j'absorbais sa peur... Mais je peux pas penser qu'à moi. Steph et Ryan sont en danger, eux aussi. Putain, j'ai envie de détruire Typhon. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre leur vie en danger avec la mienne? Oh, Ryan, il leur a suivi le délire tout de suite. Steph aussi. Ah oui. Rien à foutre. Je veux absorber la peur. Mais, mais en plus, on a le soutien de Charlotte. Tu veux vraiment risquer ta vie pour ça? Gabe, Mac, Alex, à qui le tour? Putain. Fais-toi tout petit, crétin. T'es un merdeux. Typhon est une grosse boîte. Typhon ne perd jamais. Typhon fait disparaître les gens. Qu'ils se fassent tuer s'ils veulent, mais pas toi. Hein? Je sais que t'as peur. Moi aussi, j'ai peur. Je sais que tu penses que Typhon est trop importante, trop intouchable. Mais c'est pas vrai. Je les ferai tomber. Mais j'ai besoin de ton aide. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Gabe. S'il te plaît. Putain. Je vais y réfléchir. Merci. Allez, casse-toi d'ici. Oh. Sérieux ? Alex. Sois prudente. C'est un jeu. C'est toujours bien. À peu près. Ok. Je te rappelle dans la fiction de jeu, notre personnage peut mourir. Oui, c'est... Je te rappelle que la Fist Range 1, toute la ville meurt pour sauver Chloé. Ça, la ville, on s'en fout, c'est le personnage principal. Oui, bah, on a sacrifié la mère de Chloé. On s'en fout, elle faisait juste des pancakes. La révélation. La révélation. La révélation. On va peut-être le voir. Hein, peut-être. La DJ de méchant. Non. Ah. Ces photos. Depuis combien de temps ils nous espionnent? Et qu'est-ce qu'ils feront si... Et comment on a pu être espionné chez nous? À part par le propriétaire. Voilà, ils ont mis... Ah, voilà, ils espionnent... Je sais pas du tout ce que je vais faire. Par le propriétaire. Bah non. On va voir. Peut-être que je me sentirais mieux si j'en parlais à Jed. Non. On a un choix entre le dire la vérité ou pas. Mais d'abord, il faut que j'enlève cette tenue. D'accord. On va remettre une tenue du jeu, c'est ça? Pyjama. Ah d'accord. Autant aller parler à Jed maintenant. Change de...
Oh putain. Ah, peut-être. C'était spécial pour moi aussi, Steph. Profite de ta crème glacée. On s'en fout. Les succès. Mais je crois qu'on a raté. On aura des solutions en faisant le jeu. J'ai toujours pas fait pour le 2. Mais Je suis pas grave, plus tard. Plus tard. Oh, ah, le 2, c'était les dessins, c'était chiant. Bien rouge. Comme le sang. Hey, Jed. Ah, te voilà. Assieds-toi. Alors, quand on te dit assis-toi, c'est que c'est pas bon. Quelque chose me dit que ton festival du printemps a été plus mouvementé que prévu. T'as vu que Pike m'avait arrêté. Et te relâcher, on dirait. Et puis je t'ai vu combiner quelque chose avec Ryan et Steph, plus tôt dans la journée. Je ne comprenais pas pourquoi vous vous y mettiez à trois pour la commande de Diane. Je sais que t'as l'habitude de tout faire toute seule. Gabe était comme ça aussi. Mais Haven est une communauté soudée. On s'entraide ici. J'aimerais t'aider. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce qui se passe. Et puis merde. Qu'est-ce qu'il me reste à perdre? Non! Laisse-moi le choix faire! Attends, attends. Courage, shot! Déjà. Je sais pas si ça va aider, nous aider à dire les conneries. Et sourire, il a mis un truc dans le verre. Il est drogué. On va se faire kidnapper. On va se faire kidnapper. Kidnapper, il y a une seule... Oh, encore. Hein, ah, rien. Non, il a tué Gabe. On dirait un mensonge. Il est menacé. Tifon a tué Gabe. Ah ouais. J'en ai la preuve. Oui, mais aussi Steph. Quelle preuve? Je l'ai volé à Diane. Des mails et des documents qui prouvent qu'il y a eu une seconde explosion le soir où Gabe est mort. Pour cacher quelque chose, Jed. Un secret qu'ils avaient enterré. Moi, j'ai une intuition. Jed. Il y a une couille à Gabe. Je sais pas ce que c'est. Ni même c'est ce un que peu je dois la tête patanée, qu'on a confiance en lui. Et au final, mais j'abandonnerai pas. Vite, comme le professeur dans le 1. C'est hors de question. Je sais ce qu'il cache. Quoi? Qui? Raconte-le lui. Jed, s'il te plaît. Dis-moi la vérité. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Typhon est le diable qui contrôle cette ville. Ça fait déjà trop longtemps que je garde leur secret. Je sais ce qu'ils ont enterré dans la montagne. Et vous? Dis-le-moi. Je peux faire mieux que ça. Et vous là ? Je peux te montrer. Tout de suite, on montre. Développe, frère. Développe. Oh, le suspense. Mais grave. Oh, le suspense. Mais c'est là, il va nous donner un coup de pelle, il va nous enterrer avec. On voit les couilles, c'est ça, le film du jour. Un peu plus haut. Comment ça, un peu plus haut pour... Au milieu de nulle part. 2 kilomètres dans cette direction se trouve le site où vous aviez cherché Ethan. Et 5 par là, tu arrives en ville. Comment il sait ? Attends. C'est quoi ce truc ? Un conduit d'aération. Il y en a partout. Au fil du temps, les mines se sont entremêlées et elles forment un labyrinthe sous Haven. Ce que tu cherches se trouve au fond. Tu vas venir avec nous ? Non, on va nous laisser entrer, il va nous enterrer dedans, tu vas voir. C'est un piège. Va nous pousser. Oui. Va nous pousser, je te dis. C'est sûr. Jed. Pour...
Pourquoi t'as l'air aussi triste? Oh, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Quel bâtard. Je suis désolé, Miss. Oh, j'ai des frissons. Il a déjà baissé son arme. T'en fous. Jed? J'ai des frissons. Qu'est-ce que tu fais? Oh la vache. Soit il suicide, soit il nous tue. J'ai essayé de t'empêcher de fouiner. De te faire peur. J'étais sûr que ces photos de Steph et Ryan suffiraient. Aïe. Arrête de me taper, wesh. Tu es implacable. Impossible de te faire lâcher le morceau. Tu me croyais pas? Obligé de faire ça. C'est rien. Il y a deux ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Mais Typhon m'a fait une proposition. Une façon de sauver ma ville et d'offrir une vie normale. Oui, c'est lui qui est... Attends, c'est qui son fils? J'ai jamais voulu qu'il arrive quoi que ce soit à Gabe. Oui, c'est rien. Va te faire foutre! Il est trop bien. Et moi, je le sentais venir d'une force. Obligé. Merde, excuse. Arrête. Ça fait vraiment mal. Ah putain. Il manque de vrais gros choix quand même dans le jeu. Se faire tirer dessus, c'est pas un gros choix, oui. Non, mais non, un gros choix, tu sais, les... quand t'as deux gros choix comme ça. Oh. Y'a que ça? T'avais pas dit que Jed c'était le méchant? Bah si! Ah! Mais on peut donner de rose à personne. Ah si sûr. Non, avant de parler de Jed. J'ai fait rien. Embrasser. Oui, c'est une chose. Oh. La pire, elle est. Ah putain, si on voulait, si Raya était pas au courant, on pouvait lui dire la vérité. Même 83% ne vont pas utiliser. Ouais, des amis à vous, leur sens. Ah, mais j'étais trop. Ouais, mais. Tu m'as fait mal. Invisible. Bah, j'ai de méchant. Attends pas. Je t'ai dit que trois spoil le truc. Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? Commençons par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Haven Springs? Oh, un peu craint. J'ai appris à me laisser ressentir les choses, je pense. Et à ne plus craindre ces émotions. Ne pourrait-on pas dire que ces vieilles peurs étaient justifiées au final? Et que penses-tu de cette friction? Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens.
élucider un mystère. Tu as embrassé une jolie fille. Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Vous avez tort. J'ai rien à faire ici. Si c'était vrai, Alex, tu sais que tu es en train de parler à une chaise vide. Oh. Oh, le mouche. C'est quoi ce bordel ? Elle est meilleure ambiance musicale que dans le 2, en tout cas. Ça doit être moi, patient numéro 50. Mais je kifferais avoir une justification des pouvoirs un jour sur Life is Strange. Jeté dans un. Quoi ? Elles ne sont pas au docteur Lynn. Une cheville ? La photo, il est ramené. De toute façon, dans son vision, on va voir son frère, c'est sûr. Hé, guitare. Toc, toc. Je prends la guitare. En référence, quand on ouvre la porte, on en gêne. Alex Chen. Mon étui à guitare ne me connaît même pas. Bien sûr. Et game. Moi je sais. 5-3-3 ou je sais plus quoi là. Parmi. Et game. 5-3-3, je sais plus. Si, les numéros. Ne reviens pas. C'est le nom du dossier. On a assez pour tous les. 5-3-3-2-2. Essaye. J'ai bon.
Tu me payes une 1322. Monster. Non mais ça me paraît logique, il y a le nombre de autant de nombre de chiffres que le chiffre de code. Bah ouais. Le bruit. Regardez. Oh, on a eu la corde. Le bout là. Ah, la cheville. Ouais. Ah oui. Et donc... On serait pas mort, déjà. Bah... J'ose espérer que, vu la chute qu'elle a fait, elle serait morte. Non, c'est un personnage principal. Oui, après, ouais. Ah. Je pense que c'est son vrai état actuel, maintenant. Elle a rien de... Ça va. Oh, la prêche. J'ai jamais vu autant de son dans la piste range, par contre. Grave. À part... Ah, tu vois, elle est pas morte. Personnage. Ok, tiens, soigne. Oh. Écoute. Non, et le jeu, les taureaux, elle est étoilée. Elle est pas loin non plus, ça va, elle a pas tombé de si haut. Elle aurait pu tomber plus bas. Oh. Je t'exagère, meuf. J'espère qu'il y a de l'eau au fond. Quoi ? J'espère qu'il y a de l'eau au fond. Oui. Vraiment, il y a de l'eau. Oh. Oui, c'est le chassin. Là, c'est le pire. Moi, je kiffe ce jeu. C'était en plus, je suis en train de me plaindre. Il fait manque un truc de ouf. Ouais. Allez. Ouais, je t'avais dit qu'on allait revoir, frère. Ou quoi ? Alors on est dans le monde des morts ? Non ! Ok, wesh. T'es mort ? Eh ? Y a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où ? J'ai envie de dire qu'on est... dans un hôpital. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Le docteur Mendes aux soins intensifs. C'est bien un hôpital. Gabe ? D'accord, voilà ce que je sais. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. Aïe ! Gabe, arrête ! J'ai rien fait. Stop ! Hé, hey, vous deux. Papa ? Calmez-vous. Oh, il est bon, ce... Alex, va voir ta mère. Il est un petit asiatique. D'accord. Oui, j'ai... Elle était juste là. Elle m'attendait. Elle doit être derrière lui. Ah. Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et
Je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Quoi ? Maman ? T'es malade ? Chut, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu m'entends ? Les choses... Bonjour, maman. De toute façon, vu notre famille, oui, c'était obligé. Maman. Tu es tellement courageuse. Elle aussi, oui. Comment es-tu devenue aussi courageuse ? C'est ce qui s'est passé. T'es sûre que t'as rien loupé ? Gabe, arrête! Bien fait. Stop! Hé, hey, vous deux. Papa? Calmez-vous. Alex, va voir ta mère. D'accord. Attends, est-ce que j'ai loupé quelque chose ? On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. Le voilà. Le tableau m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. Elle le savait. Elle le savait déjà. Maman avait beau boire, elle avait toujours la gorge sèche. C'est tellement bizarre et effrayant. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable. Bonjour, maman. Maman. De l'eau, Alex. Apporte-lui. Hey, salut, ici Dani. Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. Tu le savais. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort. Ah.
Je veux que tu me promettes quelque chose. Ton frère, ton père, ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois forte. Tu veux bien faire ça, Alex ? Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse ? Allez.